Retour à Montréal avec un petit rhume et pas mal de fatigue, donc après ces deux semaines intenses en Ukraine avec Michel, avec Borislava et puis avec ce petit voyage surprise à Poltava, une petite ville à l'est de Kiev, à peu près 2-3 heures de voiture en bus, qu'on est allé le 15 et le 16 avec Borislava. Pour rencontrer notre nouveau partenaire, donc c'est la grosse nouveauté de cette vidéo, vous allez avoir beaucoup d'informations. C'est une vidéo qui va être assez longue, donc je vous conseille de prendre un peu de temps devant vous, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette, il va y avoir beaucoup d'informations dans cette vidéo. Prenez le temps, regardez-la calmement le samedi ou le dimanche quand vous aurez un bon moment devant vous. Puisqu'il va y avoir vraiment des informations très importantes pour vous tous, que vous soyez client, que vous vous apprêtiez à le devenir, ou que vous soyez en période de réflexion, je dirais que nous sommes dans une période de changement important, donc soyez attentifs. Alors, effectivement, cette vidéo de Poltava qui vole un petit peu la vedette à notre cher Michel, qui a beaucoup aimé ses deux semaines en Ukraine et ça s'est très bien fini d'ailleurs pour lui. Donc, vous allez voir le reportage de Michel la semaine prochaine en fait. Ça aurait dû être normalement cette fin de semaine, mais bon, du fait de cette grande nouveauté avec Poltava, en fait, on a été obligé de décaler le reportage sur Michel. Donc aujourd'hui, vous n'aurez pas d'informations vraiment sur ce qui s'est passé, à part quelques petits détails, mais je dirais le gros du témoignage qui s'est fait en deux fois à Kiev avec Michel, vous allez le voir la semaine prochaine. Alors effectivement, c'est un voyage qui a eu beaucoup d'impact pour nous, qui a été extrêmement intense, puisqu'on a fait pas loin de 32 entrevues avec des adhérents. Donc on faisait vraiment des journées de filmage du matin au soir. Donc c'était très parfois un peu difficile. Je vous avouerai qu'à la fin de la journée, parfois j'avais plus trop envie de poser des questions. Mais c'était intéressant parce qu'il y a des moments où vraiment on rencontre des femmes qui ont vraiment un plus, et vous allez voir que, je ne dirais pas que les 32 ne sont pas tous extraordinaires, il y en a qui sont moins extraordinaires que d'autres, mais je dirais que j'ai eu vraiment des coups de cœur personnellement, et notamment à Poltava, puisque rien qu'à Poltava, on en a filmé une dizaine en fait, hein, pour commencer, et on va continuer ça cet été, puisqu'on a prévu de filmer pratiquement toutes les adhérentes de l'agence de Poltava du fait de leur qualité. Alors on a signé cet accord avec ce partenaire, on a fait le coaching pour Michel, surtout pendant la première semaine, puisque pendant la deuxième semaine, Michel est parti retrouver
sa bien-aimée, qui n'habite pas à Kiev. Donc Michel s'est voyagé un petit peu. On a fait également, ça vous en avez vu, on a vu Nadia, notre traductrice. On en a vu deux autres aussi, des traductrices franco-russes, dans la perspective d'un voyage de groupe. Donc ça va nous prendre plusieurs personnes pour vous accompagner pendant les entrevues, puisqu'en fait moi je ne pourrais pas me démultiplier avec tous les clients qui vont nous accompagner. Et donc on a des consignes particulières à donner à nos traductrices, et donc on les a rencontrées, on a vérifié leur français, on a vérifié leur degré de compréhension psychologique d'une rencontre homme-femme, d'une rencontre amoureuse, et on a donné nos instructions. Et puis finalement, on a eu pas mal de discussions avec notre partenaire à Kiev, parce que du fait du développement de l'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a des choses à améliorer, notamment dans le fonctionnement des lettres. En fait, on comprend pourquoi il y a des entreprises qui font du business avec les lettres, parce que c'est vraiment très compliqué en fait de pouvoir gérer la traduction, l'envoi, la vérification que la fille a reçu la lettre, s'assurer qu'elle va nous répondre. La gestion des lettres, c'est un vrai cauchemar pour nous, donc on essaye de simplifier ce processus-là. Surtout que nous, on ne gagne pas d'argent avec ça, donc vous ne payez pas en fonction du nombre de lettres. Donc pour nous, et puis pour notre partenaire aussi, c'est assez compliqué à gérer. Donc on a décidé que pour les prochains clients, en fait, il y aurait seulement une lettre, une grande lettre avec un modèle qui va être donné, qui serait échangé à l'aller, et une grande lettre de la part de la femme qui serait donnée au retour. Alors on a repris les inscriptions cette semaine, donc je suis retourné au travail lundi, et on a gardé notre rythme de avant le voyage, qui était d'une inscription, nouvelle inscription par jour, donc c'est vraiment bien. Merci beaucoup de nous faire confiance. J'espère que vous comprenez en fait de l'implication qu'on met dans notre travail. En tout cas, si vous connaissez une agence de rencontre qui fait autant d'efforts que nous, je vous prie de m'envoyer ces informations, parce que je serais curieux. Tout dire, c'est qu'on fait vraiment notre travail avec énormément de sérieux et de rigueur, et c'est ce qui transparaît dans vos commentaires quand vous nous écrivez. Donc merci de nous faire confiance, puis merci de vous inscrire, et puis vous allez voir que quand vous rentrez dans le processus du CQMI, vous êtes vraiment bien encadré du début à la fin. Alors justement, en parlant des inscriptions, donc là je voudrais faire mon petit quart d'heure coup de gueule. La semaine dernière c'était le quart d'heure psychologie, cette semaine ça va être le petit quart d'heure coup de gueule. En fait, nous avons de plus en plus, en fait j'ai de plus en plus des hommes qui m'appellent et qui m'expliquent la chose suivante. Alors si vous vous reconnaissez, ce petit quart d'heure est destiné à vous. Alors qu'ils me disent: Antoine, donc voilà, moi j'ai trouvé un site avec des femmes russes sur internet, ça coûte moins cher que vous, parce que je paye seulement 40 $ par mois. Et il y a plein de belles femmes, il y a des femmes en maillot de bain, en bikini, on voit presque leurs seins, c'est des photos très attirantes sexuellement, elles sont beaucoup plus belles que vos adhérentes à vous. Alors, bon, là j'exagère un petit peu le discours pour vous faire comprendre un petit peu où ils veulent en venir. Mais par contre, ils n'ont pas d'adresse. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas s'ils sont aux États-Unis ou en Russie ou dans les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas très clair, il y a personne que je peux appeler. Mais toi, j'ai vu tes vidéos et j'ai vu que vous étiez sérieux, j'ai vu que vous prenez en charge tout le processus. Donc comment ça marche pour faire venir? Parce que là, je suis en communication avec une femme sur ce site, comment je vais faire pour la faire venir ici? Comment ça marche pour les papiers? Comment ça marche pour moi pour y aller? Comment ça marche, etc., etc., etc. Alors, c'est des petits malins qui pensent déjà, en plus, qu'ils parlent avec une vraie personne, alors que dans 9 cas sur 10, ils sont simplement tombés dans une arnaque. Puisque en général, quand les femmes sont pratiquement nues sur les sites, c'est simplement
Bon, vous savez exactement où est-ce que le propriétaire du site veut en venir, donc, mais il y a beaucoup d'hommes qui tombent dans ce panneau et qui veulent faire appel à nos services de manière gratuite pour faire venir leur conjointe. Parce qu'effectivement, c'est bien beau de rencontrer une femme en Russie ou en Ukraine, mais si vous n'avez pas toute la logistique qui vient autour, c'est ce que nous, on offre au CQMI, bah à ce moment-là, vous avez beau payer vos 20 ou 40 dollars par mois, ça ne mènera nulle part, votre projet. Donc, il y a tout un accompagnement autour du fait de rencontrer une femme qui est inclus dans nos prix et dans notre service, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, surtout pas sur des sites où vous payez 20 à 30 dollars par mois et vous n'avez même pas les contacts Skype ou email de ces personnes-là. Donc, moi, ce que je dis maintenant à ces gens-là, quand ils m'appellent, je leur dis, écoutez, vous avez des excellentes questions, vous êtes tout à fait dans la bonne direction, mais si vous voulez avoir les réponses à vos questions, il va falloir que vous vous inscriviez au CQMI, parce que moi, je ne peux pas non plus donner ces informations gratuitement à tout le monde. Et bon, d'ailleurs, c'est sûr que maintenant, en vidéo, je vais faire attention non plus de ne pas donner trop d'informations spécifiques techniques, parce que c'est des informations qui seront seulement disponibles pour nos clients, et c'est bien normal, et je pense que vous êtes tous capables de comprendre la raison. Le travail qu'on fait a un prix, et ce prix là effectivement, il est payé par nos clients, il n'est pas payé par ceux qui m'appellent pour me poser des questions parce qu'ils ont rencontré quelqu'un sur un site la plupart du temps destiné à vous arnaquer d'ailleurs. Alors, premier coup de gueule, deuxième coup de gueule, c'est en fait, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus je voudrais donner un coup dans un préjugé qui m'a un petit peu qui me fait maintenant un petit peu réagir par rapport aux femmes ukrainiennes. Donc on a eu cette semaine, j'ai eu un grand courriel d'un monsieur en France, très très gentil, je le remercie beaucoup. Un monsieur qui m'a avoué en fait qu'il a regardé toutes nos vidéos et qu'il a lu tous nos articles, donc on a pratiquement 90 vidéos maintenant, et qui dit en substance qu'il n'a jamais rencontré un site qui présente des femmes slaves avec qui travaillent avec autant de sérieux et dans lequel on trouve autant de sincérité, de bonne humeur, où il y a vraiment un travail de profondeur qui est fait pour revaloriser les femmes ukrainiennes et les femmes russes. Parce qu'en réalité, ces femmes-là ont une image. Et c'est dommage, hein. Et d'ailleurs, Borislava, la semaine dernière, il y a eu un passage avec Michel, où il y a eu une incompréhension, en fait, de la part de Michel. Et Borislava, il a réagi très fortement par rapport à ça, où on a, en tant qu'homme au Canada et en France, et enfin, en fait, partout sur la planète, les hommes ont tendance à associer les femmes russes, les femmes ukrainiennes à des prostituées et à faire venir ce terme-là assez régulièrement. Alors aujourd'hui j'ai fait mes devoirs, j'ai fait une petite recherche parce qu'en fait nous avons un concurrent aux États-Unis qui s'appelle Dream Connections. Je vous encourage, c'est un concurrent qui est très sérieux, qui fait très très bien son travail. C'est en anglais, c'est aux États-Unis, le propriétaire s'appelle Mark Davis et il travaille aussi avec l'Ukraine, avec Nikolaev. Ils travaillent un petit peu différemment de nous, mais en fait, je peux vous garantir que ce qu'ils font, c'est sérieux. Et lui aussi, à un moment donné, sur les médias, il était un petit peu énervé quand les commentateurs qui ne connaissent rien à la culture slave associent en fait toutes ces belles femmes à des prostituées. Et c'est la première fois que j'avais entendu ça. En fait, il avait répondu d'une façon tac au tac, directe, ce que j'aurais dû faire d'ailleurs quand j'étais interviewé avec Paul Arcan. Il a répondu en disant que, en fait, le pourcentage de prostituées aux États-Unis, la quantité de prostituées par rapport à la population totale des États-Unis, est supérieure, en fait,
à la quantité de prostituées par rapport à la population en Ukraine. En fait, on arrive à un taux en fait de en fait vous avez à peu près 350 millions d'habitants aux États-Unis avec une quantité de estimée en fait par une agence qui s'appelle la fondation Cell.org. Vous pouvez regarder sur internet. Vous avez en fait aux États-Unis environ un demi-million de prostituées en activité. Et en Ukraine, vous avez à peu près entre 50 et 60 000 prostituées qui travaillent en Ukraine. Donc, si vous rapportez ça à la population totale, vous vous rendez compte que le pourcentage de prostituées aux États-Unis est beaucoup plus supérieur, beaucoup plus important qu'en Ukraine. Et également, si vous regardez les plus grands centres de concentration où on trouve des femmes qui font la prostitution, les 7 plus grands centres au monde. Vous avez en premier Las Vegas aux États-Unis. En deuxième, c'est Paris en France. Ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Troisième position, c'est l'Allemagne avec Hambourg. Vous avez également la Thaïlande qui se trouve là. Vous avez une autre ville des États-Unis aussi dans les septièmes premières positions. Et bizarre, vous n'avez aucun endroit, ni en Russie, ni en Ukraine, qui se trouve dans les 7 premières positions. Et en fait, c'est tout à fait logique parce que en Ukraine ou en Russie, vous avez une telle concentration de belles femmes, de femmes seules, célibataires. Pourquoi les hommes utiliseraient des services d'escorte ou de prostituées en fait, ce qu'ils expliquent dans ce reportage, vous pourrez regarder sur internet, c'est que en plus, les prostituées qu'on retrouve dans les grands centres comme à Saint-Pétersbourg, à Moscou ou à Kiev, c'est surtout des services qui sont destinés à des hommes étrangers, à des hommes européens qui viennent de France, d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne ou à des hommes qui viennent du Canada ou qui viennent des États-Unis. Donc en fait, c'est surtout pour des étrangers. Donc en fait, la prostitution, c'est quelque chose qui existe dans nos cultures, dans nos sociétés, où le féminisme est très fort, où il y a justement des luttes entre les hommes et les femmes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dans les mœurs des hommes en Ukraine ou en Russie. Bien sûr, ça existe comme partout, ça existe dans tous les pays, mais ça existe un seuil moins important que chez nous. Alors nous, on arrive avec nos préjugés, avec nos a priori, nos conceptions, et on vient calquer ça sur la tête de ces pauvres femmes qui n'ont rien demandé à personne. Alors, avant de traiter une femme ukrainienne ou une femme russe de prostituée, je vous conseillerais justement de retourner votre langue deux fois dans votre bouche. Donc voilà, c'était mon quart d'heure coup de gueule. Alors, on a beaucoup, beaucoup de stock, donc je vais avancer rapidement aujourd'hui, puisque vous allez voir une entrevue d'une adhérente de Poltava, puis vous allez également voir l'entrevue que j'ai faite avec les deux directrices de cette agence à Poltava. Alors, l'histoire de Poltava, je pense que bon, vous allez peut-être être un petit peu curieux de comprendre d'où ça vient. Et cette histoire-là est très intéressante, en tout cas, je trouve, à plus d'un titre. En fait, nous, on fait de la publicité sur Google en Ukraine. On essaye de collecter un maximum de candidatures pour les inscrire en direct. C'est Boris Lava qui fait ça. Et on a fait, il y a quelques semaines, une grosse campagne de publicité partout à travers l'Ukraine. On fait affaire avec une agence de pub à Dniepropetrovsk qui s'occupe de nous, qui s'occupe du CQMI. Donc, qui s'occupe de faire de la publicité sur Internet, dans les médias, pour aller justement chercher des adhérentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a pour les adhérentes inscrites, pour CQMI, on est à 140 adhérentes. Et ça augmente. Chaque jour, il y a des nouvelles adhérentes qui se rajoutent sur notre site. Et on a reçu un beau jour un courriel de Evgenia, qui est la directrice de Poltava, que vous allez voir juste après dans cette vidéo, qui nous a dit, écoutez, dans son courriel, j'aimerais bien faire connaissance avec vous. J'ai vu votre site, j'ai regardé vos vidéos, je trouve ça intéressant, je trouve que vous avez l'air sérieux. Je représente une petite agence à Poltava et nous aimerions beaucoup travailler avec vous qui êtes au Canada.
Alors, bon, Borislava a fait les premières démarches, on lui a téléphoné, on lui a parlé plusieurs fois, et puis on a regardé aussi les profils de ses adhérentes, on a vu qu'ils avaient fait des films. Donc en fait, le film que vous avez vu au départ avec Irina, c'est un film qui a été fait par leur photographe professionnel qui est à Poltava. Et puis on s'est dit qu'il y avait probablement peut-être... bon, peut-être que c'était encore une arnaque comme à Odessa, mais on s'est dit peut-être aussi qu'ils sont sérieux, peut-être qu'ils travaillent de façon sérieuse. Donc on s'est dit la seule façon de vraiment comprendre comment ils fonctionnent, c'est d'aller les voir. Donc on s'est dit on va prendre 2 jours et on a pris un billet de bus, on est parti là-bas et on a appris l'histoire de cette agence-là. Alors c'est une agence qui est rentrée en fait dans le au départ, c'est une agence qui existe depuis 8 ans, qui est rentrée dans le rouleau compresseur de Anastasia, qui travaille de façon malhonnête. Et on a encore eu de nouvelles informations sur cette agence qui moi, personnellement, m'ont laissé à terre. En fait, ils ont décidé, il y a quelques temps, d'arrêter parce qu'en fait, il y a eu une révolte au sein de l'agence, au sein des femmes. Puisqu'en fait, ce qui se passe avec Anastasia, c'est que quand vous travaillez avec ce gros rouleau compresseur, les hommes se font arnaquer, mais les femmes aussi se font arnaquer. En fait, il y a une arnaque qui se fait de bout en bout. Et donc, au final, vous, en tant qu'homme, vous avez l'impression que c'est les femmes ukrainiennes qui vous ont arnaqué. Et puis, les femmes ukrainiennes, de leur côté, elles ont l'impression que c'est les hommes qui les ont arnaquées. Et au final, la personne qui gagne, c'est une personne que personne ne connaît, puisque c'est des agences qui sont immatriculées dans des pays, dans les Émirats Arabes Unis, ou dans des endroits où il y a beaucoup d'argent et où il n'y a aucun contrôle. Et puis souvent, c'est des hommes ou des femmes qui n'ont aucun scrupule et qui n'ont aucun rapport avec ni la Russie ou l'Ukraine. Et donc, c'est des gens qui vont... Alors, du côté des hommes, on sait comment les hommes se font arnaquer. Maintenant, du côté des femmes, ça a été la nouvelle chose que j'ai apprise. C'est qu'en fait, ils mettent une pression. Parce qu'en réalité, Anastasia, c'est des hommes qui communiquent avec des femmes et qui ne voyagent jamais. Donc, c'est à peu près sur 100 hommes qui s'inscrivent chez Anastasia, il y en a à peu près, d'après ce que disait Evgenia, il y en a à peu près 4 ou 5 qui vont finalement un jour voyager. Donc, c'est uniquement un business de lettres. Donc, en fait, la lettre, l'homme paye 10 ou 15 dollars par lettre. Et puis, eux, ils reçoivent un pourcentage de ce 10 ou 15 dollars qui est de l'ordre de 1 ou 2 dollars pour chaque lettre qui répond. Donc, en fait, il y a une pression pour que les lettres soient renvoyées le plus vite possible et en plus grosse quantité possible. Donc, en fait... Quand vous avez, comme à Poltava, une soixantaine de très 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 belles femmes de type top modèle, vous allez recevoir beaucoup de lettres. Parce qu'en fait, les hommes réagissent à la beauté des lettres, des photos. Donc, ce que Evgenia nous expliquait, c'est qu'il expliquait qu'il y avait certaines femmes dans leur agence, des très très belles femmes, comme vous allez voir, ils ont des filles magnifiques, qui recevaient à peu près 10 lettres par jour. Alors, quand vous savez que ces femmes-là travaillent des fois 2-3 emplois en même temps, comment voulez-vous qu'une femme écrive 10 lettres par jour, surtout si elle n'est pas payée pour ça, de façon honnête? Dès le départ, vous comprenez qu'on rentre dans un système où les dés sont pipés. En fait, une femme qui reçoit 10 lettres par jour, c'est bien évident que ce n'est pas elle qui va répondre aux lettres, puisqu'elle n'a pas le temps matériel de le faire. Donc, donc automatiquement, l'agence qui est partenaire de Anastasia est obligée d'engager des femmes ou des hommes qui font des lettres toute la journée et qui répondent à des lettres et qui répondent en fait des lettres qui sont préformatées. Ils ont un ensemble de gabarits de réponses. Ils lisent en gros, en diagonale, qu'est-ce que l'homme écrit, puis ils choisissent un gabarit, puis lui répondent toujours le même gabarit. Donc voilà comment ça fonctionne. Et c'est dramatique parce que ces femmes-là qui sont inscrites dans cette agence à Poltava, en fait, un, elles ne sont pas informées qu'il y a quelqu'un qui répond à leur place. Donc elles sont en fait
complice malgré elle d'un système qui est un système criminel, en fait un système malhonnête. Et le deuxième impact de ça, c'est qu'il n'y a jamais personne qui vient les rencontrer. Donc au final, qu'est-ce qui s'est passé? Evgenia nous a expliqué qu'il y a quelques années, en fait, les filles se sont révoltées dans son agence. Elles ont dit, ben, à quoi ça sert de s'inscrire chez toi si il y a quelqu'un d'autre que nous qui répond des lettres, vous utilisez nos photos pour gagner de l'argent sur un business qui, dans lequel on n'a absolument rien à gagner puisqu'on ne voit jamais personne arriver ici à Poltava pour nous rencontrer. Donc Evgenia, elle a eu peur pour son business et elle s'est inquiétée. Et elle a décidé qu'elle allait arrêter de travailler dans ces conditions-là. Et donc maintenant, elle cherche des partenaires sérieux avec des hommes qui vont réellement venir à Poltava pour rencontrer ses adhérentes. Et c'est sous la pression de ses adhérentes que le changement a été fait. Donc vous comprenez qu'une entreprise comme Anastasia arnaque les gens des deux côtés, en fait, les hommes et les femmes. Donc voilà. Voilà cette histoire. Donc nous, on a vu tout ça, on a compris tout ça, on a beaucoup apprécié l'honnêteté et la sincérité. Vous allez voir aussi les deux directrices, comment elles se sont comportées avec nous. Vous allez voir exactement les questions provocatrices que je leur ai posées. À vous de juger. Alors évidemment, nous allons donc maintenant passer à un deuxième niveau avec deux partenaires. On change de catégorie, en fait, on devient... Puis vous allez voir que les femmes de Poltava ont été sélectionnées, ont été triées. C'est des femmes qui sont à la fois très belles et très intelligentes, avec beaucoup de répondants. Vous allez être surpris de la qualité des entrevues qu'on a faites avec ces femmes. Vous allez en voir à peu près une dizaine dans les semaines qui viennent. Puis alors des femmes qui sont toutes plus belles les unes que les autres, c'est à tomber par terre. Boris Lava me surveillait parce que c'était à peine, c'était un top modèle l'un après l'autre. Donc c'était absolument sidérant. Donc, alors évidemment, qui dit nouveau partenaire, moi ça veut dire que je dois payer un nouveau partenaire. Hein. Donc chaque fois que vous déciderez de choisir des femmes de Poltava, je dois encourir des frais additionnels auprès de notre nouveau partenaire. Donc évidemment, ça signifie que à partir de maintenant, en fait, nous allons proposer deux packages différents. Il va y avoir le package Poltava et CQMI qui sera à 1500. Donc ça réduit notre forfait de base qui était à 2000 à 1500 $ plus taxes, évidemment. Qui vous donnera le droit de choisir les adhérentes de Poltava et les adhérentes du CQMI, qui à l'heure actuelle devraient arriver, bah, disons quand toutes les adhérentes de Poltava seront inscrites dans notre site, puisqu'on est en train de les ajouter au fur et à mesure, un petit peu chaque jour, on devrait arriver autour de 250 avec les femmes du CQMI, puis ça aussi ça augmente chaque jour puisque Boris Lava rajoute des nouvelles adhérentes chaque jour. Et puis le package complet qui comprendrait notre partenaire de Kiev, les adhérentes de Poltava et les adhérentes du CQMI qui serait à 3000 $. Donc alors la nouveauté aussi c'est que cet été moi c'est sûr qu'on va faire un voyage plus long parce que j'aimerais également accompagner des clients à Poltava. Donc il est fort probable qu'on fasse au moins une semaine à Kiev, une semaine à Poltava. Puis c'est sûr que moi, on a décidé avec Boris Lava de filmer toutes les adhérentes de Poltava. Donc on va rester un certain temps là-bas pour prendre encore plus d'entrevues avec Poltava, puis pour accompagner les hommes qui décideront d'aller là-bas. Puis l'autre avantage de Poltava, c'est que c'est une région loin de Kiev, c'est à 300-400 km, c'est la campagne et ça correspond beaucoup mieux avec notre clientèle homme qui cherche plus des femmes de province. D'ailleurs, Michel, la femme qu'il a trouvée, c'est une femme qui vient pas de Kiev en fait. Les femmes de Kiev sont un petit peu plus difficiles, sont un petit peu plus princesses, comme vous dites, que les femmes de. Puis il faut savoir qu'à Poltava, la situation économique est extrêmement. Critique. Hein. Vous allez voir dans les entrevues ce que disent les femmes, c'est pas drôle. Donc, on retrouve un petit peu à Poltava l'idée que j'avais eue en signant avec Samara, mais malheureusement Samara c'est en Russie, donc on a des problèmes avec la politique. Mais vous allez voir que
on retrouve la simplicité de la campagne de ces femmes-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour vous. Alors l'autre avantage de Poltava, c'est que les prix pour les logements sont pratiquement moitié moins chers qu'à Kiev. Donc vous pourrez vous loger autour de 40 dollars par jour, alors qu'à Kiev, c'est entre 60 et 70 dollars par jour. Alors, dernier point, beaucoup de paroles aujourd'hui. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations, c'est des informations que vous devez savoir. On va voir également, en plus des directrices, vous allez voir également la vidéo de Irina, qui a 39 ans, que vous avez vue en introduction. C'est une femme qui vit avec sa fille et qui a un fils qui étudie en Pologne. Et on a eu dernièrement plusieurs hommes de 50 ans et plus. Qui se sont inscrits et des hommes qui n'ont pas d'enfants et qui sont catégoriquement opposés à rencontrer des femmes ayant des enfants. Alors, c'est sûr que quand vous avez plus de 50 ans et que vous voulez rencontrer une femme qui n'a pas d'enfants, vous allez avoir soit une énorme différence d'âge avec cette femme-là, et ça, il y a un danger par rapport à ça, mais bon, ça, c'est une information que je donne à mes clients. Et il y a également le fait que c'est très, très, très difficile de rencontrer une femme qui a même 38, 39 ans, qui a des valeurs familiales et qui n'a pas d'enfant. C'est très facile au Québec, parce qu'au Québec, vous avez beaucoup de femmes qui misent tout sur leur carrière et qui, avec l'horloge biologique, arrivent à 38, 39 ans et qui se disent « Merde, faudrait que je fasse des enfants. » Donc au Québec, c'est fréquent. Dans les pays slaves, c'est beaucoup plus rare. Puis vous allez voir, j'ai posé la question à Irina pour lui demander ce qu'elle en pensait. Et vous allez voir la réponse qu'elle nous a donnée. Donc, sans plus attendre, les entrevues avec les deux directrices de l'agence de Poltava et l'entrevue avec Irina. Can you present your wedding agency? Okay, let's I start. Okay, my name is Eugenia, and Snezhana is my partner. We work 8 years already together. 8 years ago, we start work. Together and enter our marriage agency here in Poltava. Beside of work, we also a good friend with Snezhana. We friends more than maybe 15 years. So we are very close, and it is very easy for us to work together. Why we start to enter the agency? Yes, I think that the main goal for us is to help people to become happier from the other side of the world. In the Ukraine and in Poltava, there are many beautiful women who is single and who is really very serious, and
She and they really want to be happy, want to get married and to have a good family. So maybe this is a reason for us to help those beautiful single women to become happier. A few words, because you are a partner, so. Okay, as Zhenya introduced me, I am Snezhana. We are partners, we are friends. We are many years together. And we have such opportunity to join people because we know how it works. I work about 10 years in this sphere, together with Evgenia 8 and myself 10. So we have very big experience in all this. And very often we meet very good women that are kind, that are very beautiful, neat, and they care about themselves. But they are alone. They are single and they are very sad about that. And we cannot understand why they are alone. And it's a passion for us to help them. We want them to smile because very often you meet people in the street, they are sad, they are gloomy, and when they come here, you saw that they're always smiling because we bring them joy. Mm-hmm. And also they believe that with us they will be happy in the future. It's like we open something for them. And you're both, your English is perfect, you don't have nothing to just shy. Thank you. What is it true that in Poltava or in Ukraine there are a lot more women alone than men single? Is it true? Yes, it is really true. You know, it is maybe something connect with our mentality. I don't know why, but in Ukraine it's really more single women than men. And especially in the age between 30 and 45, something like, because very really very difficult for those women to find a good single man, because most of them, most of men of such age are married or divorced of some reason, or maybe have some bad habits like alcohol. So it is really a problem, alcohol in our country. So it is really very difficult for women to find a really good man. Serious. Here. Serious, okay. Yes. So alcohol is really a problem here in Ukraine? Yeah. Not all men, of course, are alcoholics. But really, a big problem. There is a tendency in Ukraine to get married at the age of 18 or 20. So when they come to their 30, they become disappointed. Usually women still have a hope. They try to find a spouse because for women it's normal to be in family, to have kids and to be together. And when man here becomes disappointed, then he wants to stop everything. He go deep inside of himself or start working too much, and sometimes he start just use women, not for family, just like a sin. So the older men, they ask me, Antoine, your partner, is it a serious partner? So I'm asking you the question, are you a serious partner?
And can you explain why yourself? I must say that we really very serious because we have a very serious intention, and I would like to explain you why I think of this. We work only with serious women. We check all documents. We never work with married or separated ladies, only singles ladies. We check all background. We have a long talk with every woman who come to us. We try to understand what really need. And I can say that all our ladies are very serious and have a very serious intention about marriage with foreign men. So I think that it is we go very hard way with our ladies to prove foreign men that they are really our ladies really very serious. Okay, so when a man comes in Poltava, he meets women from your agency. Are you following up what's going on with the ladies? Do you call them and ask them how it goes? Do you give advice? Do you help them to get along with the cultural differences with the men from other countries? Yes, of course. We always tell lady about differences before meeting. After they meet, we always ask lady to call us, or we call her on the next day. It's always. We ask how was the meeting, how was the man, how did she like him, and what plans for future she has, they have together, if they change their contacts, and if they want to meet again. Mm-hmm. We always ask about all those things. Okay. And if we have contact with a man, we also contact him and ask him about all this. I have a particularity because we speak French in Quebec, in Canada, so you said you're going to look for, right now we don't know yet, who can serve as a translator, but you said you're going to look for a French translator here in Yes, Poltava. Of course. Now we are on the way to search. We're searching now and sure that we will find not one, but I think it will be a few person who will help men from Canada, French speaking person, to help them with meeting, with connection, with communication. I think it is not a problem. We will find. Okay. Can you tell us a little bit about Poltava, about this city? What are the important things to visit, and what you would recommend to the man in Poltava? Poltava is not a very big city, it's like a town more, but it's popular in historical space. We have a very big field of battle between Peter the Great and Karl from Sweden. Many people come here to see it and to visit museum of this battle. Also in summer, Poltava is very green and nice. Some people call Poltava a cultural capital of Ukraine. It's necessary to check it for foreigners. But we have many nice places in Poltava. So if you come here, it not will be like you are sitting in the hotel all day and waiting for meeting for the girl in the evening, maybe for 2 hours because she is after work. You will have many places to visit for all day. And also we have a guide who can help, who can lead you everywhere. Mm-hmm. And also we have many parks
If you are tired of museums and other things to see, you just can sit and watch people. So you said you've been working for 8 years. Can you tell us about one couple that you are very proud of? A story, a love story that you can tell to our men. You are proud of all the couples. Yes. No, but one, there's always one special that is. Evgenia. What's your name again? Snežana. I would like to tell you about one very good couple. Her name is Oksana, and the man's name is Karsten. Karsten is from Denmark. It is really they story like in a fairy tale. Really, Oksana is simple, nice, very beautiful, young girl. About 20 she was, and Karsten is very very nice, handsome, independent man, and once he came to Poltava and meet Oksana on a social, and from this time he can't think about any any ladies. He tried to catch her, but there was a period that Oksana try maybe check him. I know that. She said, "Oh, I'm not sure about you. Show me how do you live. Show me your love." And was not very easy for him. But finally, they get married, and now they live not two; they are three already. They have a young. As a little girl, Sofia, she is 3 years old, and now they moved to other countries, live in other countries, but now they decided to stay here in Poltava. Oh, they live in Poltava? Yes. Really? Yes. So now they are a couple in Poltava? Yes, yes, they live in Poltava, and we are really very proud of them. They are very beautiful and really nice couple. That's amazing. So they are waiting for you in Poltava, and be sure we will find your ideal woman here. My name is Irina. I live in Poltava. I'm 39. I work in gym administration. I have two children, boy and girl. my son name Artem. He's 17, and he learn in Poland. You learn what? In Poland. In Poland? Yes.
Oh, he's not in Ukraine? No. No. Oh, yeah. Why is he in Poland? He is learning in Poland university, international logistic, yes. 1 year. Ah, okay, so he's alone far from you then? No, yes. You don't see him very often? Вижу ли я его? Да. Yes, we communication in Viber, Skype. Skype? Yes. Ah, okay. Mm. And your daughter, she is? Yes, I have daughter, Nika, Veronika, long name, yeah. 10. She's 10 years old? Yes. And she's in Poltava with yes, you? Yes, with me. Okay. Mm-hmm. So if you meet a man in Canada, you would move with your daughter to Canada? Mm-hmm. Понимаете? Имею... Если вы встретитесь с мужчиной из Канады, вы mm-hmm. переехаете в Канаду с дочь и сын остаться в Польше. В Польше? Окей. Когда у женщины есть детей, они спрашивают. Потому что, честно говоря, когда мужчины узнают, что у женщины есть двое детей, они сразу... Они не хотят принимать ответственность за, uh-huh. за двое детей. Ну, это естественно, в 39 лет какие-то дети есть, наверное. Ну, ответственность. Ну, у меня, да, Артем уже, в принципе, взрослый. У нас есть мужчины. Он ищет женщину 38-39, без детей, которые занимаются спортом, которые очень активные, и у которой есть семейные ценности. Я ему ответил в прошлом неделе, как ты можешь найти женщину 39, которая никогда не имела детей и у которой есть семейные ценности. Там есть конфликт. Потому что если у нее есть семейные ценности, конечно, когда она достигнешь 39, тогда у нее уже есть детей. А я ему сказал, если ты хочешь женщины 39 без детей, у нее нет семейных ценностей. Какой у нее был образ жизни до этого, да? Да. Но... Как вы думаете по этому вопросу? Ну, смотрите, в общем, ну, если смотреть на жизнь, у каждого человека своя дорога, там, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Я, если меня касается, я прожила с мужем 19 лет. Конечно, так сложились у меня семейные обстоятельства, что у меня брак распался. Ну, то есть я не планировала то, что я в 38 лет останусь одна, ну, как бы с двумя детьми. Ну, я думаю, разные ситуации могут быть. Если у женщины до 39 лет нет детей, скорее всего, это физически она не может их иметь. Ну, я так думаю. Или, может быть, я не совсем правильно поняла вопрос. Мое отношение к такой женщине да. или мое отношение к такой женщине, у которой нету детей в достаточно нет, зрелом возрасте? Я спрашиваю, в Украине существуют женщины, которые 39 без детей, у которой есть, которые очень любят семейные жизни. Mm. Ну, я думаю, что если я думаю, что есть, конечно. Ну, у каждой женщины как-то по-своему складывается судьба. Ну, у меня есть подруга, которой 41 год, у нее нету детей. Они с мужем планировали даже искусственное плодотворение, у них не получилось. Но это проблемы со здоровьем. Это проблемы со здоровьем? Да, да. Ну, особенность наших женщин, украинских, я так думаю, в том, что... Женщина после 25, после 28 лет хочет быть мамой, и желание иметь детей
есть бы большое, да. Большое. Особенно если встречаешь мужчину, которого любишь. Женщина вот, хочет иметь ребенка от этого мужчины. Ну, ну. Хорошо, да, нормально. На английском языке. What kind of man do you want to meet? Are you looking for? Мне, наверное, сложно будет перечислить качества мужчины на английском. Тогда на русском. Да, я лучше на русском скажу, что я бы хотела встретить мужчину, ну, такое важное для меня качество, это чтобы мужчина все-таки был добрым. Вот. Я бы хотела, чтобы у нас были общие взгляды на жизнь с мужчиной. Я бы хотела, чтобы мужчина заботился обо мне, и я бы заботилась о нем. Ну и, соответственно, чтобы было взаимопонимание, конечно, с моими детьми, я не говорю о любви, может быть. Вот. Но набор каких-то таких чисто человеческих качеств, да. Ну и хотелось бы, чтобы мужчина не употреблял алкоголь. Потому что это проблема у нас на Украине. Вот. Наверное, так. Хорошо. Значит, вы хотите мужчины, которые добрые, честные, ну, да. Не употреблял алкоголь? Я не говорю, что вообще. Я, например, вино люблю и могу выпить, но чтобы не злоупотреблял алкоголем. Хорошо. Comment voyez-vous votre future famille? Как вы видите вашу будущую семью? Я бы хотела встретить доброго, честного, серьезного мужчину. J'aimerais rencontrer un homme sérieux, honnête. Который бы мог заботиться обо мне, я бы о нем заботилась, конечно же. Qui s'occuperait de moi et dont moi je m'en occuperais aussi. Который бы мог найти общий язык с моими детьми и qui pourrait trouver un langage commun avec mes enfants, построенный на взаимоуважении, qui serait basé sur un respect mutuel. И как я думаю, что очень важно, чтобы у двух людей были общие интересы. Et je pense que c'est très important que pour les deux personnes il y ait un intérêt en commun. Я люблю вести активный образ жизни. J'ai eu un mode de vie très actif. Но я много работаю. Mais je travaille beaucoup. И свободного времени на данный момент у меня не очень много. Et je n'ai pratiquement pas de temps libre. Но тем не менее все свободное время я стараюсь проводить на данный момент с дочкой. Mais tout mon temps libre je le passe en général avec ma fille. Ничего страшного, да, что это говоришь? Очень хорошо. Мы ходим играть в боулинг. On va jouer au bowling. И самое любимое у нас увлечение – это кататься на лошадях. Et notre passe-temps préféré, c'est de faire du cheval. Но позволяем мы себе это нечасто. Mais on ne peut pas se le permettre très souvent. Конечно же, хотелось бы путешествовать. Bien sûr, j'aimerais ça voyager. Я вообще за всю свою жизнь была в двух странах. Dans toute ma vie, j'ai été dans deux pays. В Египте. En один, Égypte. С семьей своей бывшей. И в Черногории. Et aussi à, dans les montagnes du Monténégro. В Черногорию я ездила со своим сыном. Он у меня хорошо рисует. Je suis allé avec mon fils, il fait des très beaux dessins. И нас пригласили туда на международный конкурс-фестиваль. Et on nous avait invités là-bas dans un festival international. Да, где он занял первое место. Où il a gagné la première place. Ah, on, ваш сын, он у вас художник? Да. Да? Ну, он учился в художественной школе, да. А, в Польше он... Нет, это было в Украине, когда он был маленький. Он, en Ukraine, quand il était petit, il est... он закончил, помимо обычной среднеобразовательной школы, еще и художественную. А, il a fait l'école normale et en même temps il a fait une école d'art de dessin. Сейчас он в экономическом вузе, международная логистика. En ce moment, il est dans une université d'économique de logistique en Pologne, en Pologne. Да, да, да. Ну, а если вернуться к путешествиям, да. Конечно же, хотелось бы с семьей путешествовать, насколько это позволяло бы время. Вот. Bien sûr que pour revenir au voyage, j'aimerais ça voyager si le, l'argent et le temps le permet. Вместе со своим мужчиной. Avec mon amoureux.
и детьми тоже. И avec les enfants. Но вы знаете, что путешествовать это стоит очень много денег. Значит, и мужчины вообще они у нас в Канаде они не очень любят путешествовать, потому что у нас природа замечательная. Et je dis que au Canada, les hommes n'aiment pas tellement voyager parce que notre nature est magnifique. Yeah. Et у нас есть море, у нас есть озеро, у нас есть гора, у нас есть вообще, у нас есть все. Иногда мы путешествуем на юге, на Кубу или Мексику или Южной Америке, но в Европе это получается очень дорого. 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 Mm-hmm. Généralement, on voyage dans le sud. Dans Cuba, en République Dominicaine ou en Amérique du Sud, mais en Europe, pour les Canadiens, ça coûte trop cher. Вам устроило бы такой образ жизни, если вы живете в Канаде, это богатая страна, и там есть природа просто замечательная. Или у вас путешествие это обязательно? Est-ce que ça vous conviendrait ou bien il faudrait absolument voyager? Ну, я вам скажу так, что, конечно же, неважно, нету не может быть в отношениях цели, важно путешествовать там, я не знаю, на какие-то там острова или еще что-то. Bien sûr, on peut pas baser une relation en exigeant qu'il y ait des voyages dans la relation. Важно иметь отдых со своей семьей, и это всегда можно решить. Даже в своей стране можно хорошо отдохнуть. C'est bien d'avoir des vacances en famille. Et même si c'est dans le même pays, c'est bien de voyager ensemble, du moment que c'est en famille. Но со своей семьей, со своим мужчиной, с детками своими. À partir du moment où c'est avec son homme, son mari et ses enfants, c'est ça qui est le plus important. Я знаю немного по интернету Канаду, читала, смотрела. J'ai un petit peu regardé sur internet à propos du Canada, j'ai lu, j'ai regardé. Интересная молодая страна. C'est un pays vraiment intéressant et jeune. Да, прекрасная природа, я видела горы замечательные на самом j'ai деле. J'ai vu que la nature était magnifique, les montagnes. Огромные просторы. Ну это правда, да? Des étendues gigantesques. Вот, и я думаю, что, конечно, там много замечательных мест, которые можно будет посетить. Bien sûr, pour moi, ce serait un rêve de découvrir toutes ces places au Canada. И еще в Канаде сильная украинская диаспора, я знаю. Et aussi, je sais qu'au Canada, il y a une diaspora très forte.